En tant que féministe notamment, j'estime que c'est hyper important de prendre en compte les droits de toutes les femmes si on veut l'égalité. Et malheureusement aussi, moi je trouve ça hyper important de militer pour un féminisme qui est inclusif comme ça, pour toutes les femmes, puisque c'est pas forcément le féminisme qu'on entend le plus souvent en France. Je définirais pas ces féministes par contre comme des féministes laïques. Nous aussi au final on est laïques, mais c'est juste qu'on reprend la vraie définition de 1905 quoi, où les gens malheureusement aujourd'hui ce sens a été complètement dévoyé, les gens confondent la neutralité de l'État avec la neutralisation des individus, et l'État en fait ne reconnaît aucune religion, il doit même pas reconnaître un vêtement s'il est religieux ou non. Alors nous, le but chez la LAB, c'est pas du tout de représenter toutes les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes, en France comme partout dans le monde, elles sont très plurielles. Et nous, en fait, on est d'abord et avant tout une association féministe et antiraciste. Et notre but, c'est vraiment de créer un monde qui n'a pas peur de l'altérité et qui permette à chaque femme de s'épanouir avec ses multiples identités. Bienvenue aux hommes, bienvenue à tout le monde, parce que vraiment, c'est... Non mais c'est vrai, c'est... D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est important, c'est nécessaire de le dire parce que ça me paraît évident, dans le sens où tout le monde est là pour créer cette société, comme je disais. Mais attention aussi, chacun a sa place et d'abord la parole au concerné. Sur un sujet donné, la personne concernée aura toujours la priorité. C'est juste ça. Bisounours. Déjà, c'est pas notre génération, les bisounours. Moi, je pense qu'on est bisounours au sens où on est vraiment... notre énergie ressort du fait de notre amour qu'on a pour les gens. Mais vraiment, là, ça sonne complètement bisounours de dire ça. Mais je pense qu'on aime réellement les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et c'est ça qui nous motive dans toutes nos actions. C'est vraiment cet amour, cette bienveillance et créer une société meilleure. Après, je me demande si vraiment essayer de révolutionner une société, essayer de transformer une société, c'est bisounours. J'en suis pas sûre du coup. Et peut-être qu'à ce moment-là, on l'est un peu moins. Mais oui, dans nos valeurs même, amour, bienveillance, féminisme, peut-être qu'on peut dire que c'est bisounours.